Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, vous le voyez enfin, c'est avec un sourire, vous l'entendez aussi, c'est avec un grand sourire, un grand smile que je retourne sur Resident Evil 2, bien évidemment avec l'aventure de ma chère et tendre Claire. Quel bonheur! N'oubliez pas d'ores et déjà un max de likes, un max de commentaires. Vous avez projeté les 14 épisodes de la partie de Leon en top tendance. Chaque épisode était en top tendance. Vous étiez incroyable. Montrez-moi que vous êtes là, même après tout ce temps. Pourquoi d'ailleurs j'ai mis tout ce temps? Parce que je vous vois arriver. Mais B-Boy, putain, il t'a fallu un mois. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Évidemment, j'avais envie de retourner dessus. Mais j'avais pas envie de me dépêcher de retourner dessus. Parce que j'avais trop en mémoire l'aventure avec Leon et... je me serais souvenu du moindre recoin et je me suis dit non, il n'y a plus d'effet de surprise, il n'y a plus rien, on va laisser un petit peu le temps passer. Et si vous voyez cet épisode aussi, c'est que je suis au Japon pendant un mois et vous aurez donc un épisode tous les deux jours avec Claire pendant que je suis en train de me trimballer dans les rues de Tokyo. Quoi qu'il en soit, les gars, Japon pas Japon, j'ai toujours un œil sur ma commu, j'ai toujours un œil sur mes épisodes et j'ai toujours un œil sur... vous en général, mettez-moi, arrachez-moi la barre de like, bordel. Faites-moi plaisir, régalez-moi. Et vous savez quoi? C'est l'épisode 1.5, mine de rien avec Claire. Et bien, il y aura un Resident Evil 2 à gagner sur la plateforme de votre choix. Je prendrai quelqu'un au hasard, encore une fois, en commentaire et qui a liké cette vidéo. On est parti écouter ce doux son. C'est beau. C'est beau, ça me fait rêver mon pote. Ça me fait rêver. On est reparti bien évidemment dans cette aventure. Direction la campagne, direction nouvelle partie parce que continuer ça sert à rien. On a fini le jeu bien évidemment avec Leon. Direction donc nouvelle partie et direction cette fois-ci Claire Redfield. Un différent cauchemar attend Claire qui ne sait pas encore que sa vie jusque-là alors ordinaire est sur le point de changer radicalement. J'espère que ce retour vous fait plaisir. Moi, en tout cas, je suis vraiment heureux. J'ai pu aussi oublier pas mal de petits détails, pas mal de petits trucs sympas. Et en plus, ça va être un petit dérivé avec Claire. Donc, moi, je suis content. Moi, je suis content. Et vraiment, on est reparti dans l'enfer de Raccoon City et ce commissariat. Évidemment, en passant normal. A tout de suite. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous. On veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! Non.
Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Compris. Faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi? Parce qu'on t'aime, Claire! C'était quoi ça? Ok! Oh. On est reparti, bien évidemment. Alors, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle un tronc du scénario en commun avec Leon. Mais après, les chemins se séparent et on va même visiter un nouveau lieu avec Claire. Donc, ça va changer drastiquement parfois, d'autres fois pas vraiment, mais ça changera. On est parti avec Claire, ma chouchoute, clairement. Excellent, on adore. Et oh ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Eh oh ! Oh, je la kiffe. Elle est sublime. Elle est sublime. Je la kiffe, la Claire. Ok. Bon, là, on avait des zombies. On va prendre notre temps, évidemment, dans cette aventure aussi. Est-ce okay. que ça va ? Oh, ça va pas toujours, hein ? Déjà, les infos, ça allait pas. J'ai jeté un œil. Ah, ça va toujours pas. Ok. Attends, j'ai une arme. J'ai pas d'arme. Bah non. Non, mais parce que je suis pas flic. Si, j'ai une arme. Ah, on est en Amérique. On a tout le temps une arme en Amérique. Ok, on y retourne. Bouge pas, je te dis. Excusez-moi, mais tout va bien? N'approchez pas. Bon. T'approches pas de moi. Au moins c'est bien, il l'a lâché. Ok, une petite balle pour commencer. Première balle, première headshot. Deuxième balle, deuxième headshot. Oh là, ça va très très vite hein. Ça va très très vite, Claire fait pas la con. Je crois qu'il est pas mort, je crois qu'il meurt pas. On va pouvoir bouger à côté. Là y a rien si, c'est par là. Je me souviens plus, pas du tout. Pas du tout, fallait aller chercher la clé de l'autre côté. Il est vivant, je crois. Ok. On est pas mal, là. On est pas mal. Bon, la clé, c'est fait. Ok, très bien. Ouvrir l'inventaire. Merci pour le tuto, les potes. En vrai, j'aurais pu le tenter en difficile. Hop. Si. Je peux pas être vivant. Si, Claire. Crois-moi qu'on va être dans une merde pas possible, ma grande. Ok, c'est parti. On se casse. On va pas l'achever cette fois. On va économiser des balles jusqu'au bout. Waouh! J'avais oublié ce petit passage fort problématique. Ah, putain! Je pensais pas qu'il était déjà mauvais. Aïe! Mais non! Oh putain! Non, sérieux, putain, pour économiser deux balles, j'ai mis ma vie en péril. Aïe! J'avais oublié! J'ai mis ma vie en péril. Lion! Wow, tirez pas! Lâche-toi! Didi. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon dieu. Rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, bonne chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. «
Encore une sale journée à Raccoon City. Bon, là je pense qu'on a eu l'exemple le plus concret. J'avais un petit souvenir qu'il se passait quelque chose avec les étagères, le zombie coincé, je m'en souvenais. Mais j'avais totalement oublié qu'il faisait tomber l'étagère sur mes côtes. Comme quoi, en un mois, ça sert, si on avait enchaîné. Je pense qu'à mon avis, c'était encore dans mes souvenirs, hein. Je suis pas non plus, voilà. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Et ça avait kiffé. J'ai trop hâte de jouer, les gars. Putain, en plus, avec Claire, incroyable. Quel plaisir, franchement, de retourner là-dedans. Alors, j'ai vu qu'il y avait scénario bis. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire. On verra à la fin. Mais pourquoi pas, dans un an, faire les scénarios bis de Resident Evil 2 et replonger encore dans l'horreur tant qu'un nouveau Resident Evil n'est pas annoncé. Je pense que ça peut être très fun et très drôle. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh vache! Ah, t'es marqué pour ce con, c'est incroyable. Léo, il faut que tu recules. J'ai pas autant sursauté, mais j'ai eu un petit, tu vois. Un petit remous, si je peux me permettre. Oh non! Claire, sors d'ici. Allez, vite! Je peux pas! Accroche-toi! Journée à Raccoon City. Attends, sur le coup par contre je crois que j'étais réellement de l'autre côté de la voiture avec Leon. Donc là on va prendre un autre chemin, c'est plutôt cool. Ah mais c'est même méga cool. On voit un petit endroit de la ville qu'on n'avait pas encore vu, me semble-t-il. Pas envie de dire n'importe quoi. Ça me dit rien ce côté, madame. Ah non, ok, monsieur, excusez-moi. On est en 2019, on juge pas, hein. Ah, madame. Ah, excusez-moi. Ah non, si, ça me dit quelque chose. Je sais plus si on a vraiment commencé ici. Dommage qu'on reste pas plus longtemps dans cette ville. Parce que franchement... Oh là, on voit déjà le commissariat. Si, j'y suis presque. On vient de là. J'ai rien dit, je crois. Ah, comme quoi, quand les souvenirs sont flous, c'est excitant, tu vois. C'est excitant, j'ai envie de... Ah, j'ai envie de faire des choses. Monsieur, attention, vous avez beaucoup mangé. N'abusez pas des bonnes choses. Hop, bonjour. Oh, ça sort du bus, hein. C'est le terminus. Hop, bonjour. Hop, esquive. Double esquive, triple esquive, et c'est bon. Bienvenue dans le commissariat de Raccoon City. On y retourne pour la deuxième fois. Ok. Attends, quoi?
Attends, il y a un problème. C'est pas une blague. Attends. Ah non. Ok. Alors, ça fait moins les malins. On l'entend moins, votre grande gueule. Oh putain, il fait noir derrière vous, en fait. Quand on fait attention aux détails. Bah dis donc, la ville a disparu, hein. C'est terminé. Pénombre total, tout le monde descend. On est reparti. Bonjour. Attendez. Attendez, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas un petit truc caché, en vrai. Franchement, là ça créerait la surprise. Pas du tout, hein. Aucune surprise n'a été créée ce soir. C'est pas grave, c'est pas grave. Rebonjour. Oh, je suis déjà passé par ici, hein. Y'a quelqu'un? Ok. Des munitions, ça c'est plutôt cool. Encore une fois, on retourne sur le PC. Comme je vous dis, le début du jeu est identique. Après, ça change. Allez, Chris, où est-ce que tu es? Merde, il y en a à l'intérieur. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir Est! Ok. Direction donc le couloir Est. A savoir que cette fois-ci, toutes les clés qu'on avait avec Leon, on ne les aura pas avec Claire. Bah oui, parce que Claire, elle avait une clé qu'on n'avait pas avec Leon, c'était la clé de cœur. Donc on l'aura, mais on n'aura pas les autres. Donc même finalement au début, il y a des choses qui vont changer. Allez, on garde les 3 sauvegardes de Leon en souvenir, les gars, avec le nombre aussi de sauvegardes qu'il y a eu. 40, on va essayer de battre ça, de faire un petit peu mieux. Ici, il faut un couteau, hein, pas nécessaire pour le moment. Ici, il faut une clé qu'on n'aura sûrement jamais. Ici, très bien. Je pense que non, il faut continuer. Attends, dans mes souvenirs. Non, là, il y a Marvin, hein. Rip Marvin. Oh, ça va me faire plaisir de le revoir. C'est vrai qu'il était tout de même d'une grande aide. J'avais vu quelque chose ici, non. Je pensais qu'il y avait quelque chose à ramasser. Autant pour vous. Bah, c'est parti, finalement, s'il fallait bien monter en haut. Oh, 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 oh. Attends. Doucement, canasson. Cru voir quelque chose. Non, je suis fou. J'ai cru voir le signe croix pour prendre, qui s'affichait, mais pas du tout. On a le lion par ici. Il est beau, ce lion. Et c'est par là. On y va. Normalement, à droite, au bout, il y avait quelque chose. En tout cas, sur PlayStation 1. Là, je fais carrément en fonction de mes souvenirs PS1, les gars. Ah, bah, on va jusqu'au bout du délire. On va jusqu'au bout du délire. Très bien. Là, on a rien. Ok. Oh, putain. Les gars, je deviens tellement miro que j'ai eu l'impression d'entendre des pas autres que les miens. Carrément l'impression d'entendre Mr. X. Ah oui, putain, mais il va me faire vivre un enfer. Brochure. On l'avait déjà lu, cette brochure. Brochure qui vantait, évidemment, Raccoon City. Vous savez quoi? On va la relire. Bienvenue à Raccoon City. Le saviez-vous? Raccoon City n'est pas seulement le berceau d'Umbrella, géant de l'industrie pharmaceutique. Elle est également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns de ces aspects insolites de notre ville. Le commissariat, évidemment, le bâtiment situé en plein cœur de la ville, n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Certains éléments comme son horloge pittoresque et la statue de déesse dans le hall principal sont les vestiges de cette époque révolue. L'orphelinat! Attention orphelinat les gars, hein. On n'y a pas été avec Leon. Donc vous savez ce qui va se passer. L'orphelinat, à quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella. Avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers, le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs venus du monde entier. Alors, quelle idée de transformer un musée en commissariat. Ah, il n'avait pas ce petit commentaire, Leon. Bon, je relis comme si vraiment c'était la première fois. Finalement, c'est un épisode 1.5, encore une fois. Et pour tous ceux qui n'ont pas spécialement vu l'histoire de Leon ou qui voulaient vraiment vivre avec Claire comme si c'était la première, je trouve que c'est intéressant. Donc, on va tout relire, évidemment. Et puis, on pourra peut-être en apprendre un petit peu plus. Ici, il n'y a rien. Mais non, mais c'est en bas qu'il faut aller. Voilà. Allez, on va dire que je suis venu récupérer ça. Voilà, hein. Hop, vous avez rien vu, les gars. Hein. Calmez-vous, hein. Pistolet, évidemment, pas amélioré. J'ai que 5 balles. Ça risque d'être terrible. Je risque de passer un sale quart d'heure, encore une fois. Donc, c'est parti. Direction le couloir Est. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Sachant qu'en fait, la déesse est en direction du nord, je pense. Mais non. Mais non, mais c'est bien à droite. Mais je suis débile, en fait. Je suis débilos. On y va. Oh, putain.
Ah bah c'est bon, là je vais pouvoir passer. Ok. On y retourne, les gars. Tant qu'on n'a pas croisé la première petite embrouille, on sait qu'il n'y a pas trop de danger. Claire, t'insistes un peu trop sur Léon. Ouais, des fois je vais dire Leon parce que je suis vraiment dans les versions américaines, hein, dans ma tête. Hein. Surtout Resident Evil 4. Mais on dit bien Léon parce que nous sommes en France. Ok. What? Pas souvenir de ça. Respire, Claire. Respire. Ok. Ok, on va fouiller ici pendant qu'on y est. Autant le faire maintenant. On n'a rien. Ça. Oh yes, la lumière, je suis boss en vrai. Ok, 10 balles, mec. Tu rigoles. Ça fait plaisir la famille. Très très bien. Y'a rien d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, hein. Y'a rien à faire dans cette pièce? Ok, y'a rien à faire dans cette pièce. On continue. Hop, ça c'est sur le côté. Oh là là, elle est forte. Ah, elle galère moins que Leon, hein. C'est moi qui vous le dis, les gars, hein. Très bien, ça c'est fait. Ok, faut que je me remette le commissariat en tête. Je me souviens pas mal de choses, mais tout de même. Oh non, c'est fermé, catastrophe. Ok, c'est une chaîne. Il me faudra la pince coupante. Alors attendez, monsieur. Hop, j'entends pas. Allô, allô. J'entends pas. La 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 la. Oh, une porte. Oh, il devait parler de cette porte. Ok. Ah, un petit spray des familles. C'est toujours plaisir. Hop, je prends mon pote, hein. Merci. Ok. Attends, il n'y a plus rien au fond. Vraiment, on va tout refouiller, les gars. Hein. Ok, il n'y a plus rien. On y va. Je crois que quelqu'un a demandé de l'aide par ici. Mais où peut-il bien être? Monsieur? Monsieur? Oh, j'arrive! Ouvre la porte! Vite! Dépêche-toi! Ouvre-la! Donnez-moi votre main! Aide-moi! Léon, tu fais peur! Donnez-moi l'autre main! C'est bon, je vous tiens! Oh mon Dieu! Je suis désolée! Ok, carnet d'un officier. Bon, trois statues, on connaît. Très très bien. Pas de problème. On va pouvoir sortir d'ici. Monsieur, monsieur, pas trois fois. Pas trois fois. Hop, headshot. Headshot. Allez, venez, monsieur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, ça c'est fait. Oh putain, c'est quoi? Bah oui, mais j'ai un revolver. Il se relève pas, si lui il se relève. Boum! Monsieur? Voilà, ça commence à devenir long, monsieur. Ok. Ok, ici on peut pas passer. Ok, toi je m'en souviens. Hop, ferme-la. Recouche-toi. Ouais, recouche-toi encore. Vas-y. Eh, hey, je travaille sur... Ah bah grâce à moi, les gars, il bosse ses abdos. Je tombe en vouloir. Ok, go. On va faire trop les malins ici par contre. Ok, je devais prévenir Marvin. Oh, c'est quoi ça? Oh putain. Hop. Distributeur de bonheur. Voilà. Aucun souci. C'est terrible. Ok. Normalement, c'est bon. Là, il y a ce monsieur. Lui m'avait fait terriblement peur lors de ma première fois. Ah, il y a toujours une première fois. Il faut mourir, monsieur. Attends, je crois que je me suis mis dans une galère pas possible.
Je viens peut-être de faire une grave erreur. Non, c'est bon. Ok, bon, trois mecs ici, il y a moyen qu'ils se relèvent très vite. Ok, ici on peut pas passer. C'est parti, on se casse aussi. Allez, gars. Putain, mais il y a un fusible qu'on peut mettre. J'ai pas souvenir qu'on mette un fusible. Ça sert à quoi? Ça va? Ouais. C'est fini. Pour l'instant. Marvin Brana. Merci. T'as appris à te défendre, on dirait. Ouais. Disons que je sais me débrouiller. Viens. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Il y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Hé, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Pourquoi? Vous avez quelque chose? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances. C'est une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, apparemment, il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret, là. Super. Hé, hey, on devrait vous emmener à l'hôpital. Non, t'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. Hein? Allez, dites pas de bêtises, il vous faut écoute, de l'aide. Claire. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça, et vous... Sois prudente. Si tu croises d'autres de ces choses... Peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tu l'es si tu peux. Sinon, cours. Pato, il m'a donné quoi? Je sais qu'il nous donnait un couteau avec Léon, mais là, c'est quoi? Une matraque, frérot, télescopique? Bah non, mais c'est aussi un couteau de combat, bah alors! Le couteau, il est différent! Très bien! Bon! On a un couteau, ça c'est plutôt cool. On va récupérer ce qu'il y a sur la statue au-dessus, c'est-à-dire, évidemment, le petit symbole, la petite plaquette, je sais pas exact, l'écusson, voilà. Et on est plutôt bon. Niveau santé, je suis plutôt bien, il n'y a pas trop de soucis. Carnet d'un officier, bon! Tête, épi, oiseau, tête, épi, oiseau, voilà, aigle, pas sûr. Donc, tête, épi, et, où es-tu, oiseau? On est bon. Pardon? Je la refais? Voilà, il y avait deux têtes, hein, d'accord? Allez, ça c'est fait, le médaillon du lion, bien... Bien joué, tout simplement. Voilà, faut savoir se féliciter dans la vie. C'est toujours très important. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Portez-vous bien. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour l'épisode 2. N'oubliez pas les likes, ça fait toujours plaisir.